Bonjour pour l'épisode de JGR. Alors, comment faire un mouchoir comme ça? Origami plat pour les Monster High ou autres poupées. Alors, il vous faut un papier. Moi, j'ai pris un papier usé parce qu'il est usé. Et j'ai raté mon autre vidéo. Alors, et un bout de sopalin. Alors, il faut d'abord comme vous pliez jusqu'à la moitié, comme un ovale, vous repliez. Après, vous faites la même chose, mais de l'autre côté. Après, vous faites comme ça. Donc, vous voyez. Donc, après, vous prenez les deux côtés là. Et vous faites jusqu'à la moitié. Après, de l'autre côté, la même chose. Et là, c'est là où vous prenez votre petit papier sopalin. Ou un papier mouchoir, hein, comme vous voulez. Donc, vous voyez, vous faites comme ça et vous mettez au milieu. Et après, vous prenez ce côté, vous le mettez au centre. Là, parce que là, il y a le centre. Donc, vous pliez jusqu'au centre. La même chose de l'autre côté, au centre. Après, derrière, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, là, il y a votre papier, la moitié. Donc, vous prenez la taille de votre papier. Après, l'autre, vous prenez et vous pliez. Normalement, là, il y a des trous. Donc, normalement, ça rentre à peine. Donc, voilà, ça ressemble comme ça. Et après, ça ressemble à ça. Alors, vous ouvrez et vous prenez votre sopalin. Bon, moi, j'arrive pas à l'ouvrir parce que... Et voilà, ça ressemble à ça. Si vous voulez mettre des plumes violettes pour Claudine, ben vous prenez une plume. Prenez le pistolet à colle, vous collez, mais moi je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Je voudrais que ça c'est pour Draculaura. Vous pouvez mettre des stickers et tout. Moi j'en ai fait deux, donc un pour la Gina, l'autre pour Draculaura. Même si c'est pas de la même taille, c'est pas grave. La fin de cet épisode.